que sur cette vidéo parce que présentement tu es oppressé. Tu te dis, mais je prie, mais pourquoi? Comment ça se fait que je sois oppressé autant? Alors, premièrement, pour connaître les origines, ça sera par la prière, par la prière intense. Il faut que vous priez tous les jours. Priez, dites, Seigneur, là je suis attaqué par l'esprit de Marie de nuit, là je suis paralysé la nuit. J'aimerais savoir ce qui se passe. Dis-moi d'où viennent ces choses-là. Vous faites cette prière-là de tout votre cœur. Demandez à Dieu, Seigneur, ouvre-moi les yeux, qu'est-ce qui se passe? Et quand vous adressez cette prière à Dieu, attendez voir ce que Dieu vous répond. Priez pas comme vous avez l'habitude de prier. Souvent, on peut prier, on se dit, voilà, j'ai juste prié. Mais quand vous adressez ce genre de prière à Dieu, croyez que Dieu, il va se lever pour vous répondre. Et après avoir adressé cette prière à Dieu, soyez très attentif. Soyez calme. Observez tout ce qui vous entoure. Et Dieu vous parlera au travers de certains signes. Ça sera peut-être une amie qui viendra vous parler d'une situation que vous vivez. Ça sera peut-être un inconnu, soit dans les transports, dans la rue ou au travail, qui vous parlera d'une situation que vous vivez. Et ça peut être aussi en songe. En songe. Après, ça va dire à Dieu, Seigneur, mais comment ça se fait que je sois attaqué autant? Dieu peut vous faire la grâce de faire un songe où vous verrez soit un oncle, un grand-père, une personne de votre famille qui est en train de faire des pratiques mystiques. Et à votre réveil, Dieu va vous parler. Vous aurez la pensée qu'il y a une personne de votre famille qui a touché à quelque chose et c'est cette chose-là qui vous oppresse. Ça peut être aussi par des visions. Moi, par exemple, je prends mon cas. Comment j'ai connu l'origine des attaques de Marie des Nuits? J'ai demandé à Dieu de me montrer les origines. J'ai demandé à Dieu de me montrer les origines. J'ai eu une vision. Dans la vision, j'ai vu ma petite soeur et moi, quand j'étais encore toute petite, on faisait des attouchements de papa et maman. Pourtant, c'est quelque chose dont je ne pouvais jamais penser m'en souvenir. Mais parce que j'avais demandé à Dieu de me montrer les origines de ces attaques, il m'a fait voir cette vision qui datait de plus de 10 ans, qui datait de longtemps. Dieu m'a dit que, en fait, cette pratique que j'avais eue avec ma petite soeur avait attiré dans ma vie l'esprit de femme des nuits. Dans mon témoignage, j'ai dit qu'en plus de coucher avec des hommes, il m'arrivait de faire des songes, des rêves où je voyais des femmes coucher avec moi. Vous voyez? Donc Dieu m'a dit que c'est suite à la relation que j'ai eue avec ma petite soeur, c'est ce qui a donné des esprits de femmes des nuits dans ma vie. Et encore, j'ai fait un songe, dans le songe, bref, je préfère que vous regardiez la vidéo. Donc c'est comme ça, Dieu m'a montré les origines. Et aussi, j'ai observé ma famille du côté maternel, du côté paternel, et j'ai vu toutes les situations négatives. Et j'ai compris que c'était ça. Et j'ai compris que ce que je subissais ne m'arrivait pas seulement à moi, mais ça arrivait à toute ma famille. Donc aussi, pour connaître l'origine, regardez à votre famille, regardez à votre famille maternelle. Par exemple, dans la famille maternelle, vous remarquez que les femmes, elles sont très intelligentes dans la famille. Les femmes, elles vont de succès en succès, sauf que elles ont du mal à enfanter. Tu vois qu'il y a ta tante Fatou qui a du travail, qui a un bon poste au pays, mais qui n'arrive pas à enfanter. Tu vois encore ta cousine qui est mariée depuis 5 ans, depuis 10 ans, mais depuis qui n'a pas encore enfanté. Tu vois encore une tante éloignée là-bas, pareil. Donc, quand vous voyez ce genre de choses-là, plusieurs fois dans la famille, c'est aussi un signe que ce que vous vivez est une malédiction familiale. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous prenez un cahier, vous marquez. Par exemple, vous écrivez. Ah oui, j'ai vu dans ma famille du côté maternel, toutes les femmes, elles arrivent, elles sont intelligentes, elles sont assises financièrement, elles sont mariées, mais elles ont du mal à enfanter. Donc, il y a un problème d'enfantement. Et encore, vous observez votre famille du côté paternel. La famille du côté paternel, oui, eux aussi, ils sont intelligents. Ils sont assis financièrement, sauf que malgré beaucoup de finances qu'ils ont, ils ont du mal à avoir la stabilité dans leur vie. Ils sont toujours endettés, ils sont toujours à découvert. C'est aussi un signe que dans la famille, l'ennemi réclame les finances. Et vous-même, bon, ça c'est juste un exemple, hein. Quand vous aurez fini de prendre tous ces signes-là, vous-même asseyez-vous et regardez à votre vie. Mais oui, c'est vrai que je suis attaquée, mais oui, mais qu'est-ce que je vis? Je vois que dans ma vie, oui, ça va, mais je n'ai pas trop envie de faire d'enfants. C'est vrai que je ne suis pas encore mariée, mais je ne suis pas trop attirée par les enfants.
une fois que vous en rendez compte que vous n'êtes pas trop attiré par l'idée d'avoir des enfants, ça veut dire que ce démon de cette malédiction familiale du côté maternel vous réclame. J'espère que vous me comprenez. Et aussi, quand vous regardez encore à votre vie, vous voyez que, ah oui, c'est vrai que je suis une femme entreprenante, je travaille, j'aspire à de grandes choses, mais moi, la richesse, c'est pas quelque chose qui m'attire. Une fois que vous voyez cette pensée-là, sachez déjà que la malédiction qui réclame les finances du côté paternel vous réclame. Qui dira sur cette terre qui n'est pas attiré par la richesse? On aspire tout à la richesse. Donc, si toi déjà tu as ce genre de mentalité, tu te dis, ah oui, moi je préfère être petit, c'est un signe que tu es réclamé par la malédiction du côté paternel. Donc, en fait, vous écrivez tout ça et vous continuez à prier. Je vous assure que si vous priez de tout votre cœur, Dieu va vous ouvrir les yeux. Vous allez faire des songes, vous aurez des visions. Et tout ce que vous allez recevoir, vous prenez note, vous écrivez et vous priez en fonction de ça. C'est comme ça on fait pour connaître. J'espère avoir répondu à votre question. Que le Seigneur vous bénisse. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager. Bisous!